Nous allons commencer dans quelques minutes. J'espère qu'on va entendre tout le monde. On commence dans 2 minutes. Un peu plus tôt. Apparemment, ça va commencer un peu plus tôt que prévu.
Bonsoir, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la session dédiée à la gestion des données sur l'environnement. Je m'appelle Agnalita Rovich et je suis productrice chez BBC Digital Planet. Mon activité consiste à préparer des émissions hebdomadaires à la radio qui portent sur l'environnement, la technologie. Nous avons été actifs lors du lockdown britannique. Nous avons été aussi très chanceux parce que nous avons déjà introduit beaucoup de solutions très innovantes avant le lockdown dans notre radio. Donc, rien n'a changé dans notre vie, en fait, parce qu'il est permis maintenant à nous de travailler en ligne. Il est bien à ce que la coopération entre l'environnement et le monde numérique se retrouve dans l'agenda de notre IGF. C'est une chose sans précédent au sein de l'IGF. Il y a eu cette session générale et le panel d'aujourd'hui, je pense, y contribue beaucoup. Donc, je suis persuadée que tout à l'heure, nous allons faire des bravos à toute la communauté IGF pour que le leadership et l'environnement soient des questions clés dans le cadre de nos réunions. Je voudrais aussi souligner l'importance des ambassadeurs, des jeunes qui ont attribué une grande importance à ce sujet. Vous êtes une nouvelle génération de leaders et déjà maintenant, vous parlez de l'utilisation des solutions Internet pour que le sujet de l'environnement soit apprécié suffisamment du point de vue des technologies Internet. Je suis vraiment excitée d'être modératrice de ce panel. Nous avons ici des participantes qui sont des femmes, donc c'est une bonne chose. Par contre, je ne sais pas comment appeler ce panel-là aux participations des femmes. Avant de vous demander de vous présenter, je voudrais juste récapituler ce que sont les données liées à l'environnement pour qu'on puisse se concentrer clairement sur ce sujet-là. Les données liées à l'environnement sont basées sur les mesures de l'environnement, l'état de l'environnement et les impacts sur les écosystèmes. Notre attitude et notre comportement sur la planète n'a rien à voir avec la durabilité. On ne peut pas se comporter ainsi dans l'avenir. Donc, il faut introduire des solutions, des mesures qui vont montrer que nous sommes capables de changer pour que les changements environnementaux ne s'approfondissent pas. Le système numérique doit aider aux gens de prendre des décisions de façon durable sur notre terre. Donc, pour ce faire, nous avons besoin de données très précises sur l'environnement et sur les ressources environnementales. L'on parle ici d'actions individuelles et collectives, tout ceci pour construire notre résistance, mais aussi pour avoir un impact positif sur notre vie. Le plus important, c'est de gérer nos informations, des milliards de téléphones portables qui sont géo-encryptés et des milliers de satellites sur notre orbite peuvent fonctionner de ce modèle. L'éducation à travers les applications, des millions d'articles qui ont été publiés à ce sujet, un grand nombre de rapports présentés par des entreprises privées. L'échelle des données sur l'environnement est trop grande probablement pour qu'on puisse les accepter comme elles sont, sans une bonne gestion. Donc, sans cela, les objectifs de développement durable ne pourront pas être réalisés. Donc, je pense que c'est la réflexion qui doit nous accompagner dans cette session. C'est que le manque d'accès aux données approfondit la marginalisation et la pauvreté. Nous avons besoin de données liées à l'environnement, non seulement pour gérer l'environnement, mais aussi pour introduire l'égalité de traitement. Maintenant, je voudrais demander aux participantes de se présenter. D'abord, Joyce Msuya. Merci, je m'appelle Joyce Msuya, je suis directrice adjointe du programme exécutif et assistante du secrétaire général des Nations Unies. Je te donne la parole maintenant, Joyce Murray, ministre du gouvernement numérique au Canada. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Joyce Murray, je suis ministre responsable
du gouvernement numérique au Canada. Je suis aussi une ancienne ministre de l'Environnement pour la province British Columbia et avant, j'ai travaillé aussi dans le monde des affaires. Je m'occupais de la forestation et de la construction des écosystèmes. Et ces trois questions-là, justement, seront introduites dans ma présentation. Merci, Joyce, Céline Ali, cofondatrice et directrice générale de Zindi. Merci, Anya. Je suis ravie d'être avec vous. Je m'appelle Céline Ali. Je suis directrice générale chez Zindi. Nous sommes un start-up africain qui est basé en République du Sud et nous nous occupons d'une plateforme compétitive qui se concentre sur le marché africain. Il y a 20 000 chercheurs qui se retrouvent sur cette plateforme pour gérer les problèmes de notre continent grâce à l'apprentissage à travers les machines et l'intelligence artificielle. Maintenant, docteur Kelsey Leonard, membre du conseil Data Sovereignty Network aux États-Unis. Bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité à cette session. Nous sommes ethniquement des Américains d'origine. Notre siège se trouve à New York. C'est un grand plaisir de se joindre à ce panel. Merci beaucoup. Maintenant, Emily Hirst. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité. Je m'appelle Emily Wells. Je travaille chez Sustainability Science chez Microsoft. Nous sommes vraiment fiers que la science et les technologies sont ici ensemble pour faire un pas en avant pour plus de durabilité. Maintenant, enfin, Rose Mwebaza, directrice au Centre de technologie du climat. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue de Copenhague. Je suis directrice du Centre de technologie climatique. C'est un élément du mécanisme technologique de l'ONU qui est basé sur la Convention sur le changement climatique. Dans le cadre du programme sur l'environnement de l'ONU, maintenant, je voudrais à ce que chacune de vous énumère une chose importante, la chose la plus importante liée à la gestion de l'environnement dans le même ordre. Merci. Merci. Avant de répondre à cette question, je voudrais dire à quel point il est inspirant lorsqu'on peut être témoin de l'apparition de l'environnement parmi les sujets de cette IGF, de cette session d'IGF. Je voudrais ici remercier des centaines de parties intéressées qui ont fait la pression pour le faire. Grâce à eux, ça a été possible. Quelle est la question clé? C'est la fragmentation des données. Quelques chiffres maintenant. Nous avons à peu près 700 plusieurs plateformes qui utilisent des données environnementales qui sont gérées grâce à des liens entre le secteur privé et public, chaque semaine, sur le marché, une nouvelle plateforme apparaît. Plus de 700 000 nouvelles organisations transmettent des données liées à l'observation de la Terre et plus de 450 millions de ressources différentes peuvent être explorées grâce à cela. Donc, nous avons besoin de toute une série de règles, de normes qui pourraient nous permettre de gérer ces plateformes. Ici, au sein de ce programme, nous sommes en train de se pencher sur ce sujet. C'est un point important dans notre agenda. Je me suis adressée aux pays membres et au gouvernement à ce qu'on prépare une stratégie globale liée aux données environnementales. Nous avons aussi besoin d'un répositoire global pour y déposer des données environnementales les plus importantes pour assurer le suivi du progrès global. Ici, je parle du développement durable. Nous construisons de telles plateformes pour atteindre notre objectif World Environment Situation. C'est le nom de notre plateforme. C'est ça le sujet le plus important, la fragmentation de données. Maintenant, je vous redonne la parole à la personne suivante, Joyce Murray.
La propriété de données, je n'aime pas utiliser ce terme parce qu'il s'agit peut-être ici de recherche d'informations qui stockent cette information et non pas qui en est le propriétaire. Mais ce qui est très important, c'est d'identifier toutes les règles qui régissent l'utilisation de données et savoir qui s'occupe de la surveillance de ces règles-là, parce qu'elles vont être générées de façon collective et utilisées aussi bien par le secteur public et privé, ce qui signifie que des intérêts différents vont être exprimés par différentes entités. Donc, l'idée de gestion commune serait une idée vraiment importante. Avec cela apparaît le besoin de conformité à la loi et l'exécution de ces règles. Tout ceci aurait du sens, mais seulement s'il y a un mécanisme d'assurance de conformité de comportement avec ces règles. Si ça n'a pas lieu, il y en aura qui vont utiliser ces règles à des fins qui ne sont pas des fins justes. Alors, je pense que ces règles, c'est quelque chose de base. Ensuite, il y a toute une liste d'autres sujets. Par exemple, on aurait besoin aussi d'une amélioration continue parce que la situation dans le monde numérique change constamment. Donc, il faut savoir que chaque structure doit être conçue de manière à ce qu'elle puisse être actualisée et à ce qu'on puisse réagir à toute situation à chaque moment. Une amélioration continue, d'un changement continu des règles déjà conçues en aval de chaque projet. L'expérience de l'usager se retrouve enfin au cœur de toute structure. Nous pouvons faire tout ce qui a du sens du point de vue technique, du point de vue du projet, mais ceux qui utilisent ces données, si pour eux ce sera quelque chose de difficile à gérer, eh bien, à ce moment-là, le profit ou l'objectif ne seront pas atteints dans le contexte de gestion, de l'écosystème et de l'impact de l'homme sur l'écosystème. Merci beaucoup. Merci, Joyce. Maintenant, Céline Lee. J'aurai trois sujets qui sont liés les uns aux autres, liés à la gouvernance, qui sont liés à notre expérience. Je pense que immédiatement, dans l'immédiat, les questions qui apparaissent maintenant, qui me viennent à l'esprit, c'est la transparence en ce qui concerne la gestion de données. En tant que plateforme de compétitivité, nous parlons de données vraiment très détaillées. Nous parlons sur ce genre de base de données. Il y a eu beaucoup d'exemples lorsque ces bases de données n'ont pas été accessibles, mais si elles sont liées à une documentation appropriée, avec toute l'information d'où elles proviennent, ce qu'elles représentent, comment elles ont été collectées, et s'il y a l'information, quelles sont les limites et les conclusions liées à ce genre qu'on peut tirer de ce genre de données, eh bien, ce genre de transparence, c'est ce dont on a vraiment besoin. La deuxième chose, ce sont les normes claires pour régir tout cela. Tout ceci est strictement lié à la transparence. Si nous adoptons une série de données et nous les acceptons, ils doivent être liés à toutes sortes de règles d'interopérabilité et de qualité pour que les gens sachent comment les utiliser de façon sûre. Et maintenant, en ce qui concerne la responsabilité, eh bien, garantir le caractère privé des données, garantir que les personnes qui sont liées à ces données ce sont vraiment des personnes qui doivent utiliser ces données concrètes et utilisent des produits qui sont liés strictement à ces données-là. Donc, la transparence, les normes et les garanties. Et la troisième chose, la dernière chose qui est très importante du point de vue de la science, eh bien, c'est de trouver un juste équilibre entre des normes de vie privée fortes, qui implique l'agrégation d'un grand nombre de données. Mais d'autre part, on parle de créativité qui peut être libérée grâce à certaines solutions, grâce aux solutions informatiques ou des informaticiens qui peuvent réaliser de nouveaux concepts, l'utilisation nouvelle de ces données. Donc, trouver cet équilibre, tout ceci pour protéger la vie privée, le caractère privé des données. Maintenant, Kelsey. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Eh bien, garantir et
protéger. C'est ça l'important. Ce que j'ai vu moi-même dans ma recherche qui sont liées à la gestion de données liées à l'environnement, quant aux océans et quant aux lacs, eh bien, il manquait de l'information de la part des autochtones, des communautés autochtones. Nous avons été tous exclus des données du gouvernement. Ceci nous pourrait aider, par exemple, on pourrait nous garantir à ce qu'il n'y ait pas de colonialisme dans l'espace numérique, pour qu'il n'y ait pas de colonialisme numérique. Maintenant, là où je vois les données environnementales, il y a ce genre de, par exemple, d'alliance, Digital Data Alliance, par exemple, c'est le chemin à suivre qui pourrait nous aider beaucoup. Maintenant, les données environnementales sont, proviennent des territoires où vivent les autochtones. 80% de biodiversité n'est vraiment pas reconnue. Les scientifiques ne veulent pas apprendre des gens qui y vivent, des autochtones qui avaient vécu sur ces terrains pendant des milliers d'années. Nous ne faisons pas partie du groupe qui pourrait être le propriétaire de ces données. Nous ne sommes pas intéressés pour intéressants pour les autres. Donc, le fait comment les données sont manipulées et utilisées pour prendre tout genre de décision. C'est ça qui constitue un grand défi, c'est-à-dire comment garantir aux autochtones, aux communautés aux autochtones, leurs droits pour que ce soit bien protégé dans les bases du gouvernement. Ceci signifie que nos communautés doivent avoir un contrôle et la propriété de ces données. Ici, il y a une question de règles qui sont incluses dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des communautés autochtones. Eh bien, ces droits doivent être toujours respectés. Merci. Merci beaucoup, Kelsey. Maintenant, Amy. Merci. Il est magnifique de voir combien de points de vue y a-t-il, mais en faisant un lien commun entre tout ce qui a été dit, nous pouvons voir que le point de vue varie. Il faut prendre en compte toutes sortes de nuances. Ce qui est important pour moi, c'est de parler du monde numérique et de l'environnement et de la durabilité, parce que aujourd'hui, l'humanité est liée avec tous ces éléments-là à travers le monde numérique et le monde réel. Et grâce à cela et à cause de cela, nous devons se rendre compte de manière fondamentale que pour obtenir un Internet auquel nous pouvons avoir confiance et qui soit inclusif, est lié à un monde durable. Donc, de cette perspective, la question clé liée à la gestion de l'environnement est basée sur la construction d'un Internet inclusif et sûr. En ce qui concerne la confiance, bien sûr, ce sont des mots très riches qui ont beaucoup de dimensions, mais je voudrais souligner une chose. Eh bien, la confiance est soulevée maintenant dans le contexte de problèmes environnementaux liés à la confiance à l'information sur les tendances actuelles, sur les analyses de systèmes environnementaux. C'est ça qui est critique. Comme ça a été déjà dit d'ailleurs avant, nous avons plusieurs plateformes de données qui collectent ces données-là et qui permettent d'obtenir une ressource crédible, une source de données. C'est une question clé. La deuxième chose concerne l'inclusivité. L'inclusivité est critique, non seulement du point de vue quelles données sont accessibles et à qui sont-elles accessibles, mais qui a accès à nos outils, quel est le potentiel. Il faut que ces données puissent être traduites vers des connaissances précises. Et ensuite, la sécurité, non seulement la sécurité de données, mais la sécurité dans le sens où chacun dans le monde puisse se sentir responsabilisé, puisse participer aux activités liées au progrès numérique et à la durabilité. Ces trois éléments du point de vue de données et du point de vue des communautés utilisant ces données ont, selon moi, une importance primordiale. Merci. Merci, Amy. Et maintenant, nous passons à Rose. Merci. Moi, je voudrais me concentrer sur un élément qui est lié à au mandat de mon organisation. Donc, nous voulons favoriser les technologies qui sont respectueuses de l'environnement,
l'un des aspects qui sont vraiment, vraiment cruciaux, c'est le bon sens environnemental. Donc, la façon dont les données environnementales sont créées, gérées, stockées, nous devons être d'accord pour dire que les technologies qui nous donnent la possibilité d'accéder et de stocker ces données et après de les utiliser à différentes fins, aussi pour prendre des décisions concernant l'environnement, il faut qu'elle soit durable. Ce n'est pas toujours le cas. Si nous regardons par exemple la quantité de déchets, et ce qui est aussi lié à la quantité du matériel que nous utilisons, comme le matériel, comme le laptop, les ordinateurs, etc. 47 millions de tonnes de déchets électroniques, voilà, c'est le chiffre qui est donné. Et ce chiffre risque d'augmenter, bien sûr. Tout cela fait que ces matériels, les équipements électroniques augmentent et vont augmenter aussi dans l'avenir. C'est pourquoi nous avons une opposition, nous avons une approche critique par rapport à cela, donc par rapport à cet élément de progrès que nous faisons en tant que l'humanité. En prenant en compte le mandat de notre centre, qui normalement doit permettre la technologie entre les pays développés et les pays en voie de développement, ça sera vraiment essentiel. Mais puisque notre mandat aussi va dans le sens d'aider le pays qui se développe, il est donc très important que dans le pays où nous travaillons, il s'agit d'une centaine de pays, il y a une très grande fracture numérique entre différentes régions du monde. Et dans ces pays, dans ces régions, donc voilà, c'est très visible. Donc, je peux vous donner un exemple africain. Et donc, uniquement 40% de toutes les personnes en Afrique ont l'accès aux technologies numériques. Le nombre pour les femmes, ce chiffre sera encore moins grand. Donc, maintenant, lorsqu'il y avait cette question dans le panel, donc les données pour qui? Si nous devons supporter, soutenir la décision environnementale à chaque niveau, en partant du niveau politique jusqu'au niveau local, donc si nous parlons par exemple du groupe qui est la source de ces données, si nous parlons de décisions qui doivent être prises, ça devient donc la question à laquelle il faut absolument donner la réponse. Donc, ce sont deux éléments qui sont liés, donc la question environnementale et aussi la façon dont ces données sont collectées, stockées, utilisées, mais aussi cette fracture numérique qui signifie que finalement, ce n'est pas tout le monde qui peut accéder à toutes les données, et ce n'est pas tout le monde qui peut générer les données. Et cela a un impact sur la décision que nous prenons. Merci, Rose. Est-ce que l'une de vous voudrait se référer, répondre à ce qui a été présenté par d'autres panélistes? Voilà, mais il faut unmuter, bien sûr. Moi, je suis vraiment très impressionnée par toutes les idées qui ont été présentées. Je peux vous dire aussi que l'inclusion et aussi la justesse et aussi la perspective de nation indigène, c'est quelque chose de très important, tout comme les femmes, l'égalité, etc. Nous devons aussi avoir toujours en tête qui sera l'utilisateur de ces données, donc à qui on s'adresse. Donc cette initiative de... On parle de ce pays numérique, nation numérique. Il s'agit d'une dizaine de pays qui coopèrent ensemble pour vraiment booster les questions numériques. Le Canada a présenté dernièrement une initiative concernant les questions numériques présentées pour ces pays et les possibilités pour développer le matériel, le processus, la gestion des déchets. Et la verbalisation, tout cela, ça devra faire partie de chaque action que nous allons lancer dans l'avenir. Donc, je suis vraiment très content que nous parlons de durabilité environnementale. Et le Canada sera sur l'un des leaders, l'un des pionnières hein, dans le cadre de l'agenda de nation digitale. Voilà, donc je vous remercie hein, d'avoir aborder ces sujets. Amy, maintenant, moi aussi, je voudrais me référer à cette dernière question concernant la durabilité.
Et la génération des données, aussi leur analyse, donc tout ce qui a été esquissé ici, c'est un sujet vraiment important. Chez Microsoft, nous avons une très sérieuse à l'égard de cette thématique. Nous sommes très engagés en faveur de cette neutralité en termes d'émissions de CO2. Maintenant, nous sommes déjà neutres et intégrés les sciences. Et les données pour résoudre les problèmes, pour élaborer les décisions et aussi pour nettoyer notre monde corporel. Nous devons donc penser à cela comme un élément constant qui fait partie de notre présence sur la Terre actuellement. Merci. Et maintenant, quels sont les principes ou les garanties de base que vous voudriez proposer dans le cadre du cadre général de la gestion des données? On va commencer par Madame Joyce Souris. Merci. Donc, je pense que le plus important, c'est de se rendre compte du fait que l'environnemental existe. Et nous devons donc avoir une bonne structure de données, aussi une bonne analyse pour pouvoir atteindre certaines données. Et un groupe d'analyse s'est prononcé sur ce sujet pendant l'une des sessions précédentes. Si nous parlons de certaines données environnementales qui visent un certain objectif, c'est quelque chose que nous faisons au sein des Nations Unies en regardant la structure des données environnementales. Nous essayons de faire en sorte de pouvoir suivre cette implication et cette gestion, et aussi pour pouvoir suivre les objectifs environnementaux généraux. Mais ce qui est encore plus important, c'est l'utilisation des données pour pouvoir prendre des décisions en toute conscience, pour pouvoir informer les marchés, les chaînes de livraison, mais aussi pour impacter le comportement des consommateurs. Donc, sans données, la consommation, la façon de consommer ne va pas évoluer si nous parlons ici des consommateurs. Donc, il faut aussi assurer une agrégation des données environnementales au niveau global. Il faut aussi lier ces données avec d'autres données, comme les données socio-économiques, en utilisant différentes applications, le programme, interface et autres. Cela veut dire que nous avons besoin d'une API. Et aussi, finalement, il faut que les ensembles de données environnementales soient le plus ouvert possible, hein, parce que c'est un bien commun. Et comme le ministre Joyce du Canada nous a dit, il faut que ce soit aussi lié au contexte, parce que le contexte compte. Donc, vu le risque particulier, la gestion des données environnementales doit donc prendre une approche différente. Je vous remercie. Merci Joyce. Et maintenant, je m'adresse au public. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur le chat à droite de votre écran. J'espère qu'on aura le temps pour répondre à quelques questions. Et maintenant, je m'adresse à Joyce Marie pour qu'elle nous réponde à la même question. C'est un élément important qu'il faut anticiper même. Je pense que dès le début, ces règles devraient être prises en compte et incluses dans le projet tout entier. Pour moi, la question est très complexe. Moi, je viens de participer à un briefing concernant le projet du gouvernement canadien. Concernant la façon dont on gère la donnée confidentielle, nous avons différentes propositions, différents programmes. Je vois combien ce programme et ce processus est complexe. C'est juste sur un exemple d'un seul pays. Et ce qui est critique, c'est que l'accès, l'authentification, donc tout cela pour que ça soit vraiment une option accessible, pour que les gens puissent y accéder. Nous parlons ici des données confidentielles qui sont précieuses, qui peuvent aussi être utilisées à des fins commerciales, mais nous parlons aussi
Je pense que c'est Célina qui non, c'est Kelsey qui nous a dit, qui nous a parlé de données qui sont dans les mains de nations, de peuples indigènes. Donc, en prenant en charge les données, en quelque sorte, nous devons aussi prendre en compte la perspective de peuples indigènes. C'est un peu ma façon de penser, d'approcher les choses que je vous présente. Mais il faut savoir qu'il y a cette loi internationale qui existe, qui concerne le droit de l'homme, mais il y a aussi les recommandations des Nations Unies concernant, par exemple, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, il ne faut pas quand même ouvrir la porte ouverte. Il faut plutôt trouver, identifier les bonnes pratiques en utilisant l'apprentissage par machine, l'apprentissage en général, l'accès, l'authentification de l'accès. Faisons tout pour que tous ces systèmes soient incorporés, fassent partie de nos systèmes dès le début, parce qu'après, il est plus difficile de mettre à jour les choses et d'ajouter les éléments. Encore une chose, il faut aussi savoir que tout ce qui peut devenir un risque pour la sécurité nationale ou régionale, ça dépend aussi de la façon dont on va traiter les données, si on va le traiter de façon séparée ou non. Donc, il me semble que nous avons ici besoin de toute une série d'accords formels, non formels, qui devraient nous indiquer de façon très transparente la façon de gérer et pour qu'elle nous montre aussi comment tout cela peut être réalisé. Donc, l'ouverture et la transparence, je sais que ce sont les choses qui ont été déjà mentionnées, mais pour moi, c'est vraiment la règle de base. Et c'est aussi un élément important. Donc, la vie privée, la confidentialité, c'est une chose. Ensuite, l'authentification de l'accès. Mais nous avons aussi besoin de cette ouverture et de cette transparence pour que ça soit vraiment le pilier, la fondation de... Voilà. Donc, merci. Et maintenant, Lina. Célina, donc merci. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par les autres panélistes. Je voudrais juste ajouter quelques mots donc, de notre perspective d'Alain, de nos coopérants avec le chercheur, avec le gouvernement, avec les sociétés qui ont des problèmes très, très concrets, essayent de les résoudre. Et il y a un point que je voudrais quand même souligner. Pour que les données puissent faire ce qu'on attend d'elles, c'est un peu abstrait, mais pour que quand même ces données puissent se traduire par un impact, hein, il faut faire tout pour comprendre vraiment la chaîne de valeur, aussi le marché qui booste ces données, donc qui fait que ces données deviennent finalement des produits, des livrables, quelque chose de concret. Donc, par exemple, en Inde, nous participons à un concours. Nous avons un concours où on utilise les données pour extrapoler les informations sur la qualité de l'air dans l'ensemble de l'Afrique. Et si nous regardons maintenant la totalité des données concernant cette thématique, ces données sont plutôt modestes. Il y a juste quelques ensembles de données qui proviennent de l'Afrique du Sud ou du Kenya, mais le reste du continent est vide, même si le reste du monde est plutôt couvert par les capteurs qui nous fournissent les informations à jour. Donc, nous avons posé cette question, comment combler cette lacune, ce manque de données? Et nous avons créé un modèle d'apprentissage par machine pour combler cette lacune. Et nos chercheurs du continent africain ont créé un modèle. Donc, cela est incorporé dans le réseau concernant les données sur la planète. Donc, d'une part, nous avons donc les données, qui a l'accès à ces données, qui peut les analyser, qui peut ensuite les traduire. Après, qui s'occupe de produits qui sont basés sur ces données? Ce sont les problèmes qui sont vraiment importants. Et je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que combien cette représentation et l'inclusion sont importantes. Ce sont les éléments qui étaient mentionnés par les autres. Donc, il faut ici comprendre que cette représentation doit être vraiment visible à chaque étape de cette voie, si nous regardons les chaînes de valeur liées aux données. Voilà, donc c'est quelque chose que je voulais vraiment souligner, la représentativité, l'accessibilité et les données brutes.
Merci, Célina. Et maintenant, Kelsey, je vous en prie. Merci. Merci aussi aux panélistes précédentes. En ce qui concerne les règles de sécurisation, nous avons besoin de données concernant l'environnement, aussi du point de vue de la justesse. Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour nous, le peuple indigène? Donc, cela veut dire que nous avons besoin de données désagrégées qui vont mesurer des capteurs, qui vont capturer les éléments environnementaux bien précis. Donc, nous avons maintenant l'accès aux données agrégées. Ce sont des grands ensembles qui se placent au niveau régional ou national. Et nous nous trouvons plutôt à la marge, donc nous ne sommes pas pris en compte. Alors, quelle sera donc notre importance dans le processus de la prise de décision? Donc, si nous parlons de l'accès possible aux données, comment nous pouvons utiliser ces données? Comment les gouvernements peuvent utiliser ces données? Comment le gouvernement peut prendre en compte ces données dans leurs décisions? Comment c'est possible si finalement les données nous concernant ne sont pas prises en compte? Donc, il faudrait y trouver une solution plus équilibrée concernant tous les systèmes de données. Et les communautés indigènes sont bien souvent sur la première ligne en ce qui concerne le changement climatique. Donc, si les données environnementales, normalement, ces données devraient nous aider à nous protéger contre la crise qui s'approche. Nous avons besoin d'accès aux données importantes. Ce sont donc des règles vraiment importantes et de sécurisation qui sont importantes et nous espérons pouvoir les créer dans l'avenir. Je voudrais aussi souligner une chose concernant le règle de souveraineté des données. Dans la langue anglaise, donc, monopolise les ensembles de données ou le système de données, ce qui marginalise le peuple ou la communauté indigène. Parce que nos peuples, nos nations, nous avons tous notre propre langue. Nous voyons combien cette langue perd. Donc, cette langue, perd leur importance, sont tout simplement, doivent céder à la langue anglaise. On n'a plus besoin de nos langues indigènes. C'est pourquoi cette gestion des données environnementales doit aussi prendre en compte ce phénomène. Tant de connaissances concernant l'environnement sont localisées aussi dans nos langues indigènes. C'est pourquoi il faudrait donc prendre soin de langues indigènes. Donc, je pense que c'est aussi un élément important. Notre Data Alliance a créé deux règles concernant la souveraineté des données environnementales. Ce sont les données qui... selon lesquels les écosystèmes de données devraient être créés de manière à pouvoir aussi soutenir les nations indigènes. Et cela est aussi la responsabilité des chercheurs, des scientifiques qui travaillent avec les données. Donc, sans peuple indigène, il faut donc partager les informations, les données pour savoir comment on utilise les données les uns les autres. Aussi la façon dont on utilise les ensembles de données, c'est aussi important. Ce qui devrait aussi se traduire par la défense des droits des nations indigènes. Merci, Kelsey. Avant de passer à l'intervenante suivante, je répète que vous pouvez envoyer votre question sur le chat ou dans la section Q&A. Maintenant, Amy, en ce qui concerne les règles et la sécurisation. Merci beaucoup. Eh bien, il me semble que certaines règles que l'on doit prendre en compte et dont l'important, je voudrais souligner, c'est par exemple le besoin de se concentrer sur les bases de durabilité et les données qui doivent nécessairement être accessibles. J'en parle parce que nous avons l'ère de l'information. Il y a un grand afflux de données. On en parle beaucoup, mais il y a des informations critiques que nous ne possédons pas. On pourrait les avoir si l'on se concentrait sur cela. En ce qui concerne, par exemple, la biodiversité, il y a toute une série d'informations que nous ne possédons pas maintenant. Si l'on se concentrait sur leur accessibilité, l'on pourrait les obtenir et prendre des décisions plus équilibrées avant de perdre la biodiversité.
Donc, nous savons qu'il y a des choses que nous ne possédons pas. Il faut d'abord identifier les données clés. Et c'est de cela que nous nous occupons au sein de Microsoft. Nous essayons de créer un ordinateur planétaire qui identifierait des données clés qui pourraient être rendues accessibles à toutes les personnes qui s'occupent de la protection de l'environnement dans le monde entier. L'une des clés est l'approche multilatérale, c'est-à-dire de prendre en compte toutes les parties prenantes. Ces types de forums ont une grande importance. Ils font le lien entre la société civile et les autres intervenants pour identifier ces données au niveau sectoriel et régional. Et à la fin, une partie de cette entité, c'est le fait que les données clés ont une valeur, mais seulement lorsqu'elles sont ouvertes et accessibles, accessibles à toute une série d'entités qui participent à ce processus qui est de plus en plus sectoriel, multilatéral, qu'est la gestion de l'environnement. Donc, se concentrer sur le choix des variables clés, puis la recherche active des données validées auxquelles nous pouvons avoir accès, et ensuite la prise de décision en se basant sur cela. Ce sont les pas à entreprendre, à prendre dans l'avenir, selon moi, si l'on veut vraiment bien gérer ce processus et prendre des décisions conscientes. Merci, Amy. Et enfin, Rose. Merci. Il me semble que nous avons déjà mentionné beaucoup de choses importantes. La dernière participante a dit à quel point il était important de reconnaître quel type de données sont des données clés. Bien sûr, les données climatiques, par exemple, sont très significatives du point de vue des communautés plus vulnérables. Mais il y a aussi d'autres types de données clés. Alors, il me semble que maintenant, la question clé est que nous avons beaucoup de données accessibles. Les données environnementales sont utilisées notamment dans le processus de prise de décision. Et ce processus doit servir à nous tous, à notre planète, pour ne pas laisser quelqu'un derrière. Si l'on parle de données qui devraient générer une meilleure résistance, donner une meilleure qualité de vie ou protéger les gens, par exemple, sur les informations sur la qualité de l'air, ce sont des données qui sont bonnes pour la nature, pour les citoyens. Ne laissez personne derrière. Et enfin, une chose qui me semble importante pour nous en tant que communauté, eh bien, c'est que beaucoup déjà a été fait dans le domaine de l'environnement. Et c'est lié à ce nouvel agenda numérique qui prend en compte aussi les questions environnementales. Donc, c'est ce que nous essayons de faire maintenant. Et il me semble que le système environnemental doit être pris en compte dans d'autres domaines. Il doit y avoir une approche beaucoup plus globale qu'auparavant. C'est ça que j'ai voulu souligner du point de vue de notre organisation. Merci beaucoup. Merci, Rose. Maintenant, passons aux questions de nos participants. Une question, plusieurs fois, l'on a mentionner une nécessité de règles dans le cadre de la gestion des données environnementales. J'ouvre le micro à tout le monde, à toutes nos participantes. Est-ce que quelqu'un voudrait se référer à cette question? Je n'ai pas de réponse concrète à cette question-là, mais je voudrais introduire au débat encore un aspect important. Je voudrais revenir aux données critiques qui sont au centre de l'intérêt, à cette idée de chaîne de données. Il s'agit de données désagrégées
qui servirait la justice sociale. Quel est ici le rôle du gouvernement? Je voudrais en parler un peu parce que je ne suis pas sûre qui en a déjà parlé, mais nous avons entendu dire que la société civile, les peuples autochtones, le monde des affaires, beaucoup de parties prenantes doivent y participer. Mais le gouvernement, lui, il peut avoir un rôle très productif dans tout cela si l'on pense et les prend, prenons en compte dès le début. Il y a un grand potentiel là-dedans et ça peut nous rendre le processus plus facile ou plus difficile si on n'en pense pas dès le début. Donc, il y a des organisations qui rapprochent les gouvernements les uns des autres. Il ne s'agit pas de créer quelque chose de trop grand pour qu'il n'y ait pas de bonne prise de décision, mais il s'agit de partenariats gouvernementaux. Par exemple, nous avons un groupe de 78 pays qui se réunissent depuis 11 ans et qui représentent 2 milliards de citoyens. Donc, il s'agit de partenariats entre gouvernement et la société civile. Il faut pouvoir créer une approche ouverte à l'utilisation de données et à l'implication des gens dans la coopération avec leurs gouvernements respectifs. Donc, trouvons peut-être une manière, une méthode d'inclure les gouvernements dans tous ces travaux pour que tout cela ne ralentisse pas trop, pour qu'il n'y ait pas trop de bureaucratie. Il s'agit donc d'inclure les représentants des gouvernements dès le début en amont. Merci, Joyce, Amy. Oui, merci. Je voudrais encore une fois souligner ce qui a déjà été dit. Eh bien, qui régit les normes? Eh bien, ça doit être un processus multilatéral. Le gouvernement a ici, bien sûr, un rôle important à jouer, mais il a un caractère un peu différent des autres joueurs, acteurs, mais il faut le repenser. Les normes doivent, d'une part, concerner les variables clés, comment les définir. Ça doit être un processus multilatéral, comment les définir. Ensuite, comment elles sont protégées, à quel point elles sont ouvertes, quelle est l'interopérabilité. Mais encore une autre composante, surtout lorsqu'on parle de données environnementales, c'est-à-dire que la validation, la vérification de données, c'est-à-dire quelles données sont utilisées à la prise de décision dans le contexte des questions globales environnementales. Nous avons un tel processus pour les données scientifiques. Je parle ici de peer review, de révision de données, mais en ce qui concerne ces données-là, nous n'avons pas encore résolu ce problème de façon satisfaisante pour qu'on puisse puiser le plus des données si l'on n'est pas capable de prendre la décision quelles données sont crédibles du point de vue scientifique et quelles données ne le sont pas. Donc, il y a toute une nouvelle approche scientifique par rapport à l'analyse de données. Nous regardons quelles sont les tendances, nous faisons des prévisions et c'est un grand outil qu'il faut appliquer dans l'avenir. Mais comment faire le lien entre cela et la communauté scientifique qui comprend bien les systèmes naturels, les systèmes sociaux et voit cela du point de vue des process? Je pense que c'est une grande opportunité, mais nous n'avons pas encore résolu tous les problèmes. Merci, Amy. Est-ce que quelqu'un voudrait encore se référer à la question qui vient d'être posée? Non. Alors, passons à l'intervenant, à la question suivante. À quoi voudriez-vous vous engager pour l'année 2021? Un engagement par personne, commençons par Joyce. Merci beaucoup. Un externe, un autre interne par rapport à notre organisation. Un externe parce que nous devons aussi être très flexibles. Donc, nous engageons à coopérer avec l'IGF. Nous voulons créer ou être un forum qui va s'occuper de bonnes pratiques dans l'Internet.
Et en interne, par contre, l'on voudrait travailler sur la réalisation de la feuille de route du secrétaire général et être le leader en ce qui concerne le plan d'activité dans le domaine de numérisation et de développement durable. Ça va regrouper toutes les organisations sous l'égide de l'ONU qui travaillent dans l'environnement. Merci, Joyce Marie. La même question, oui, merci. Il me semble que ce que je viens de dire peut répondre. Oui, parce que je disais qui devait prendre la décision. Je disais que c'était le gouvernement qui devait être au premier plan. Parce que, donc, je pense que ce serait mon engagement parce que cette approche multilatérale est le bon chemin à prendre. Je voudrais ici souligner que il ne s'agit pas à ce que les gouvernements reprennent le contrôle sur tout. Donc, en parlant d'un engagement, c'est un engagement que j'ai fait il n'y a pas longtemps, lorsque j'étais encore à la tête de Digital Nation. Notre groupe a déjà fait cet engagement. Digital Nation veut travailler sur la durabilité numérique. Dans les années à venir, nous allons promouvoir cette initiative, rechercher des partenaires et en se préparant à la conférence de l'ONU sur le changement climatique, nous allons y travailler. Donc, ce qui concerne aussi les initiatives sur les peuples autochtones. J'ai parlé beaucoup des partenariats avec le gouvernement ici. Il y a beaucoup de possibilités qui se présentent parce qu'il me semble qu'on peut créer un cinquième plan national gouvernementale, où nous travaillons avec la société civile ensemble sur l'élaboration de ce plan. Et il me semble qu'il faudrait y introduire la question d'ouverture de données dans le contexte de lutte contre les changements climatiques. Et ceci requiert bien sûr un reporting ouvert sur l'impact des mesures fédérales sur l'environnement. Bien sûr, je ne peux pas m'engager à le faire maintenant parce que nous le faisons ensemble avec la société civile. Nous sommes seulement l'un des participants, des acteurs de ce processus de participation et de débat. Mais je suis personnellement très impliquée dans ce processus et intéressée à ce que ça continue, à ce que ce soit quelque chose qui fasse partie d'un partenariat plus large. Un partenariat auquel pourraient se joindre d'autres pays. Donc, c'est ça ce qui constitue mon engagement. Merci, Joyce. Célina, merci. Du point de vue de Zindi, nous sommes vraiment excités par cette mission à ce que l'intelligence artificielle, l'analyse de données, soit plus accessible à tout le monde, quelle que soit la localisation, le genre, etc., de la personne concernée. Donc, il faut augmenter les possibilités pour les jeunes, surtout d'Afrique ou d'autres pays en développement, pour qu'ils puissent s'éduquer et savoir plus sur l'intelligence, l'enseignement par machine. Donc, j'espère que notre plateforme va rendre ces données plus publiques, plus ouvertes et qu'elles auront un impact plus considérable sur notre réalité. Merci. Maintenant, Kelsey. Oui, engagement, c'est ça. Bon, merci. Eh bien, il me semble que mon engagement, ce serait un engagement auquel j'encouragerais tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde apprenne quelles sont les règles régissant le respect des droits des peuples autochtones. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette déclaration. C'est un document très important, par contre, que chacun de vous devrez lire en régissant les normes dans le domaine de l'environnement pour l'avenir. Tel est mon encouragement. Je vous encourage à ce que vous lisiez le document et que vous fassiez tout ce qui est possible pour assurer une justice sociale plus grande dans votre environnement. Merci. Amy, vous m'entendez maintenant? Eh bien, premièrement, je voudrais m'engager de manière personnelle
parce qu'il me semble que ça a été un débat très intéressant, beaucoup de points de vue, un bel échange. Merci pour cela. Mais du point de vue de la société Microsoft, je pense que l'on pourrait avoir deux engagements. Premièrement, aller en avant, faire un progrès dans l'éducation, dans le domaine de l'environnement. Nous voulons avoir un impact très positif en tant qu'entreprise sur l'environnement. En adoptant une perspective plus large, nous voulons travailler avec des partenaires grâce auxquels on sera plus capable d'identifier les variables clés. Par exemple, en ce qui concerne notre ordinateur planétaire. Dans le contexte de ce débat, nous voulons nous engager dans un dialogue et dans la création de bonnes pratiques et les intégrer à notre travail pour que tout le monde puisse faire plus en ce qui concerne l'utilisation de données au profit d'une meilleure durabilité. Merci beaucoup. Rose, maintenant. Merci. Un engagement de ma part dans le cadre de notre mandat, c'est-à-dire la promotion de technologies favorables à l'environnement, et bien dans ce contexte-là, on devrait se concentrer sur l'une des deux choses qui, selon moi, ont l'impact le plus considérable sur l'environnement. Je parle ici de l'énergie, c'est-à-dire de la quantité d'énergie dont on a besoin pour que la numérisation se fasse, pour qu'elle fonctionne. Donc, il faut soutenir des technologies plus efficaces du point de vue de l'énergie, mais il faut aussi travailler ou coopérer avec nos pays membres. Et ceci dans le domaine de la gestion du recyclage des déchets électroniques. C'est ça qui devient l'un des défis globaux maintenant. Donc, dans ce contexte, nous assurons la promotion de ce sujet dans plusieurs pays. Nous avons des actions de sensibilisation. Il faut mener un dialogue challenges, for example, Selena was talking about, where the actual data gaps that we need for sound environmental decision making. Thank you very much. Rose, thank you for concluding that section. And we've had a fascinating and very thought-provoking exchange of ideas today. And I want to thank the panelists for all their concrete suggestions and for the work they are developing in their institutions on this topic. The IGF and the UN Environmental Programme have pushed this issue to the top of the agenda. And now the UNEP is considering making digitalization of environmental sustainability a four-year priority. The media too needs to report more on environmental data and the implication of using it sensibly. Please do contact me at Digital Planet about this. As we have heard across the various environmental tracks in the IGF, as well as on the panel today, every scientific assessment is giving us 10 years left to solve climate change, biodiversity loss, and pollution. Living as we have been living and doing business as usual is clearly not working. And we need to find ways to make exponential progress in these three areas. Digital transformation is going to play a massive role if it can be harnessed for environmental sustainability. The stakeholders need to establish together how environmental data and metrics can be hard-coded into application, platforms, filters, and algorithms of the digital economy to fundamentally change the incentive structures for sustainability if we are to see any benefit to our environment. Working together with environmental data and digital technologies could decarbonize, dematerialize and detoxify global supply chains, as well as help us predict and respond to global environmental risks. Together, we can take collective action on environmental digital cooperation and commit to concrete action with the support of the IGF and UNEP. Thank you to everyone on the panel today and those behind the scenes, translators and scribes as well, who have made all of this happen. I hope to come back next year to hear about the tangible progress that has been made. Thank you.
Thank you very much to Anya, and thank you very much to our panelists. It was a great session. We will be having the closing session in this room, in the same room. So if you want to stay for the closing session, please stay. And those closing session panelists, just stay in this room and we will upgrade you to panelists if you're in the audience. And so thank you again, and we'll see you in 20 minutes. Thank you. And David, if you want to say something. No, I was going to say fantastic work, but everybody left. Okay, sorry. Okay. Cheers.
Good afternoon or good morning to you. Can we just test our cameras and microphone? Good morning. Good afternoon, Chengetai. How is life? I'm fine. And you, Christoph? Very good. Thank you. Good, good. Yes, I think everything is working fine with you. So that's great. Yes. There's a bit of a reflection on your lens, I think. Yes, I'm not too sure. Try to correct that maybe. Mm-hmm. Yeah, it's getting better. Yeah. Mm-hmm. I will put additional light as well. Yeah. Okay, great. Is it better now? It's better, but when you tilt it up, it comes worse. Okay. So yeah, now it's better. Yes. Okay. Mr. Carlos Molina, greetings. Can we just good test morning, your good microphone? Afternoon. Good afternoon to you. Yes, yeah, it's working fine. We got from Costa Rica. Yes. Mm-hmm. It's a pleasure to meet you. I was in Costa Rica, I think, 2 years ago. Oh. How was the experience? Oh, great. Wonderful place. Wonderful country. Yeah. Mm-hmm. Right now it's raining because the consequence of the Iota hurricane. So. Oh, yes. Yes. Mm-hmm. It's a terrible situation they're facing in Honduras and Salvador. Mm-hmm. Yes. Okay. All right. Thank you. And sorry, let me go. Henriette, can we just test your video and microphone? Is that okay? Yes, perfect. Thank you very much. Okay. Joran, good morning. Good morning, my friend. And how are you? Yes, we can hear you quite well. And yes, we see you as well. So that's great. Good. Thank you. Let's see who else we have. And our moderator has just arrived, Jonathan. I think he's still setting up. So. Hello, hello. How are you? I'm fine, Jonathan. And how are you doing? I'm all right on a grey day in London. Ah, yes. I'm just working out. Hold on, I should be with you in a second, setting up the best way to do this. Okay, no problem. We're just testing everybody's very good microphone. Hello, Masango. Yes, hello, Dr. Mohammed. How are you doing? Okay. Great. Yes, okay, we hear you and we see you well. I did not hear what you were saying because I had to enter the page. But anyway, I'm on now, so I guess it doesn't really matter. No, we were just testing everybody's microphone and camera, and yours is working great, and we can hear you very well. So that's good. We're going to start at 20 past the hour. So at the moment, we're just going through and testing everybody's setup just to make sure it works. Deputy Minister Parshan, would you mind switching on your camera and just having a microphone? Good afternoon, sir. I'm not Mr. Parshan. We're testing this system. Yes, that's fine. Yes. And what about translation? We do not see bottom on the screen from Russian interpretation. There should be a button next to where it says closed captioning. There should be an interpretation button. And if you click that, you have the list of the UN languages. Would you see it? This is something we just found out, that it seems to be different on certain computers. But there should be an interpretation between closed caption and the leave button. Would you see it? There's share screen, closed caption, and then interpretation. That you have. But if you have an old version of Zoom, then you won't have that.
To the latest version than you do. You may have enough time to upgrade. I don't know if that helps, or maybe upgrade to a different computer, just your Zoom version. Thank you for information. We will try to do it. Thank you, sir. So we need to update our system, or what should we do? I think maybe just the program. That is what I'm being told. Mm-hmm. Okay, we will try to do it somehow. Thank you, sir. Okay, thank you. But you know, there is the captioning, so that is available. But if you want to listen to the interpretation. Давай, может быть, подключим твой компьютер все-таки или нет? Under Secretary General Hochschild, can you just switch on your camera and your microphone just to have a mic test? If you can hear me. And also Valerie, welcome. Thank you so much. I can hear you loud and clear. Can you hear me? Yes, we can hear and see you. Great. Thank you. We're still missing a few. So the projected start time is 20 past, so. Yeah.